travailler sur un sujet d'actualité. Mais c'est toujours une joie et une joie immense de parler de la ville de Mbujimayi et particulièrement de l'environnement, l'assainissement si vous le voulez. Nous avons une population qui n'a pas une bonne culture, qui s'illustre par un incivisme environnemental à outrance. Vous avez quel sentiment pour le moment? Merci beaucoup cher ami, j'ai un sentiment d'un homme comblé. Je vais même dire que je suis très content du fait que nous venons de prouver à tout le monde que nous avons une fécondité scientifique. On a travaillé sur un sujet d'actualité, mais c'est toujours une joie et une joie immense de parler de la ville de Mbujimayi et particulièrement de l'environnement, l'assainissement si vous le voulez. Nous avons une population qui n'a pas une bonne culture, qui s'illustre par un incivisme environnemental à outrance, qui ne sait pas respecter les normes environnementales, particulièrement les techniques pour l'assainissement. Quand vous passez presque dans tous les quartiers de Mbujimayi, vous verrez que la ville est très sale. Elle est insalubre. Elle dégage des odeurs nauséabondes. Elle dégage des pollutions et des nuisances. C'est embêtant pour une ville comme celle-ci, entre guillemets la ville du chef de l'État, alors que nous avons une brigade d'assainissement qui a un personnel payé, mais qui ne joue pas régulièrement son travail parce que dans ses attributions, il y a entre autres l'éveil de la population. Est-ce que cet éveil se fait régulièrement? Est-ce que cette brigade d'assainissement réprime les infractions qui sont liées à, donc qui sont liées justement à l'assainissement? Mais en dehors de ça, c'est un constat amer. En Mbujimayi, on parle de salongo que les samedis. Pourquoi on ne peut pas parler de salongo tous les jours? Parce que l'assainissement, c'est un exercice qui doit être permanent. Et non, produire les déchets du lundi jusqu'au dimanche et avoir une demi-journée du samedi pour effectuer les travaux d'assainissement. C'est ce que nous avons dénoncé dans notre travail. Et nous avons aussi dénoncé la faillite de l'État. L'État doit donner de moyens, doit s'impliquer comme le stipule l'article 53 de la Constitution. Tout citoyen a droit à vivre un environnement sain et propice qui est qui peut lui donner l'occasion de respirer un bel air. Et donc il y a aussi la conscience de la population, parce qu'en jetant, vous devez vous rendre compte des conséquences qui découlent. Il y a des maladies qui sont, comment dire, dévastatrices, même meurtrières. Aujourd'hui, nous avons, quand vous passez dans une institution sanitaire, on vous examine petit diagnostic. Quelle maladie vous avez? C'est la fièvre typhoïde, c'est la malaria. Mais ça vient de l'état insalubre de la ville de Mbujimayi. Il est temps que tout le monde se mette debout, que l'État mette la main à la pâte, que la population prenne conscience pour que finalement la ville soit propre, qu'elle soit propre. Et c'est ça notre désir le plus ardent. Merci. Merci. Toi, ce que tu as là, bituko dia lelo tudibela hatoka ngele lwetu ameji hanyima habidumbisa tubya malonga mu tilongelo cha ISGT butongula bo amalu abuchafu Mbujimayi udununga muhuye mubi chimpepempe ngambi ni bisonsa buchafu wa mushindu onsu wa bulamagana ni bo mai mai budi mumbanza ne nubabi manyi budi mututo twa malaba tonsu twa chimenga cha Mbujimayi ndetu dia le meji bwani. Quand tu es un homme, tu es un homme qui a été 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 un homme. Mbachinga bina makala benza salongo mudium benza mudibiji benza mudisat benza toni mudialimimu walu salongo bari bamanya mikando malo salongo bamwe salongo bamwenza ditu kudyonsu umeri wa Mbujimayi kudika sumuka bibila kwani brigade d'assainissement mudimu wakunga kumana mwa kudimusha benantande mikunyoka nge ngenze lo mubi wa malo di benantande bikala benza kadu kumpala kwa kunyoka muntu bibishinga ni wanyu moyesha lumu. Mwesha butoka bwani chiduwenza wa mwanzo nungu mwanzo bibi turutuye tukunyoka kuna uyana musamu mwela kumba kunyoka bantu to imani maloto bika la bakula menemena tulomba bwani mbula mataji kanuka makumi atanu ni kisatu
Je suis un peu plus de temps. 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 Je